Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En ce mardi soir, 13 avril 2021, 20h59, heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. On va revenir un peu aux nouvelles du jour. Ça vient d'être publié par le Sun, le US Sun. J'en ai parlé souvent, vous en avez, de toute façon, m'en avez partagé beaucoup de liens. Vous en parlez aussi beaucoup. De plus en plus, on a ces évocations de la part, par exemple, du Pentagone, de rencontres de ces pilotes avec des phénomènes aériens non expliqués, des ovnis. Eh bien, on pense peut-être avoir une piste d'explication, mais c'est la suivante, je vous la partage. C'était publié il y a quelques minutes, quelques heures par le US Sun, parce qu'on en parle beaucoup, parce que ça peut être inquiétant, soit ça vient de l'extérieur de notre galaxie ou de l'extérieur de notre planète, ou soit c'est des pays qui ont des technologies très avancées, dans des pays, qualifions-les d'ennemis des États-Unis. Des rencontres mystérieuses d'OVNI sondées par le Pentagone pourraient peut-être être des drones hypersoniques de la Chine ou de la Russie, affirme un ancien enquêteur du ministère de la Défense. Donc c'est juste une piste, c'est une hypothèse. Des objets clignotants bizarres capturés par la caméra en train de bourdonner autour des navires de guerre américains peuvent être des drones hypersoniques de Chine ou de Russie, a déclaré un expert en OVNI de premier plan. Cela vient après que le Pentagone a révélé au Sun Online que la dernière vidéo montrant les mystérieux engins qui bourdonnaient autour de ces navires de guerre au large des côtes américaines. Nick Pope, qui a enquêté sur les ovnis pour le ministère britannique de la Défense, a déclaré au Sun Online que les objets pouvaient être des drones hypersoniques, potentiellement de Chine ou de Russie. Mais il pense que même le gouvernement américain ne sait peut-être pas qui est derrière ces phénomènes mystérieux. Les dernières photos étranges ont été divulguées à partir d'une sonde ovni du Pentagone par le groupe de travail sur les phénomènes aériens non expliqués, qui a rassemblé des preuves pour un rapport pour le Congrès qui doit être présenté en juin. Ça aussi, on en avait parlé. Les images obtenues par le cinéaste Jeremy Corbell montrent les objets non identifiés volant au-dessus de 4 destroyers américains, dont le destroyer USS Kidd Navy en 2019. Mais ce n'est certainement pas la première fois que la marine et ses pilotes rencontrent les mystérieux engins. Et l'amiral Michael Gilday, le chef des opérations navales, a admis qu'il n'avait aucune idée de ce que c'était. Lorsqu'on lui a demandé directement si les États-Unis avaient réussi à identifier les objets qui menaçaient les destroyers, il a répondu « Non, nous ne le savons pas encore. La plupart des observations présentent des similitudes. Certains sont en forme de tic-tac, le bonbon tic-tac, tandis que d'autres sont triangulaires ou circulaires. » Nick Pope a déclaré, premièrement, « Il y a eu beaucoup plus d'incidents de ce genre que ceux dont les gens connaissent les faits. L'indice ici est qu'en 2019, la marine américaine a publié des conseils à ses pilotes. Imaginez-vous, les détails sont classifiés leur disant « Quoi faire s'ils rencontrent des ovnis ?» Cela implique que nous avons affaire à plus que quelques incidents isolés. Deuxièmement, je ne suis pas sûr que la communauté du renseignement militaire américain en sait plus sur tout cela qu'elle ne le dit publiquement. » Selon Nick Pope, le gouvernement américain ne le sait pas non plus ce qui se passe, mais avec les chefs d'espionnage travaillant actuellement sur un rapport pour le Congrès, nous en saurons peut-être un petit peu plus bientôt. Nick Pope rappelle que la reconnaissance, en réponse à une demande de la loi sur la liberté de l'information concernant les vidéos classées secrètes et le matériel d'information classé top secret relatif à tout cela, étaye cette conclusion. Sa meilleure estimation serait probablement des drones hypersoniques, mais la question demeure de savoir qui les exploite. Nick Pope a déclaré « Est-ce une autre partie de l'armée américaine, une autre nation, probablement la Russie et la Chine, ou même des extraterrestres ?» Il a ajouté « Le gouvernement américain ne le sait pas non plus, mais avec les chefs d'espionnage qui travaillent actuellement sur un rapport pour le Congrès, d'ici juin, nous pourrions en apprendre beaucoup plus. » Les premiers rapports confirmés par le Pentagone remontent à un événement désormais tristement célèbre en 2004. Imaginez-vous, il s'est déroulé sous les yeux de 2 pilotes d'avions de guerre du porte-avions USS Nimitz qui effectuaient une mission d'entraînement de routine dans l'océan Pacifique au large de San Diego, en Californie. Tout le monde se rappelle de ces fameux événements des pilotes du USS Nimitz qui ont rapporté avoir vu un objet semblable à un tic-tac dans le ciel. Les images ont été tournées à partir de 6 avions de combat du USS Nimitz Super Hornet lors d'une mission d'entraînement de routine à environ 100 000 dans l'océan Pacifique lorsqu'ils ont été détournés pour vérifier un avion repéré sur le radar d'un croiseur de la marine, le fameux USS Princetown. Deux vidéos montrent 3 rencontres entre des avions de combat et ce que la marine a officiellement admis être des phénomènes aériens non identifiés. Le commandant David Fravor, le fameux maintenant très célèbre David Fravor, on l'a vu partout parler de cette... il était le témoin de ces pilotes-là. Ancien pilote de la marine américaine a déclaré que les objets avaient commis un acte de guerre et effectué des mouvements complexes qui ne sont naturels pour aucune technologie artificielle. Insistant sur l'authenticité de ce qu'il a vu le 10 novembre 2004, il a déclaré « Ce n'est pas comme si nous l'avions vu et il était parti où j'ai vu des lumières dans le ciel et c'est parti. Nous avons regardé cette chose par une journée cristalline avec 4 observateurs bien formés. Nous voyons ce petit tic-tac blanc parce que nous sommes à environ 20 pieds au-dessus de lui et qu'il se dirige vers le nord, le sud, le sud, le nord, le sud, et bouge brusquement, brusquement, brusquement. » Ça, c'est le fameux commandant David Fravor, qui était dans ce cockpit et qui l'a vu, et même, on a vu sur leur enregistrement ces fameuses images-là. La prochaine observation, du moins celles qui ont fui, qui ont coulé, et qui ont été confirmées par le Pentagone, ont été signalées moins de 10 ans plus tard. On pense que 7 rapports de la marine américaine compilée par la marine entre 2013 et 2014 implique des Boeing F-18, le Super Hornet, qui volait dans l'espace aérien au large des côtes de Virginie et de la Caroline du Nord. L'OVNI a été décrit comme étant de couleur blanche et ayant approximativement la taille et la forme d'un drone ou d'un missile en Virginie, selon le rapport. Puis, entre 2014 et 2015, des pilotes de la US Navy du porte-avions USS Theodore Roosevelt ont repéré des objets étranges volant à une vitesse hypersonique au-dessus de la côte est des États-Unis, près de la Floride. Cela a été rapporté au Pentagone et au Congrès. Des observations similaires d'OVNI ont été faites par le USS Russell en juillet 2019 au large de la côte sud de la Californie, le USS Kidd, le USS Raphael Peralta et le USS John Finn, qui se trouvaient à proximité, rapportent également avoir repéré les fameux engins mystérieux. Donc, beaucoup d'activités, beaucoup d'actions. C'est vraiment mystérieux, tout ça. Est-ce qu'on en saura plus avec le rapport qu'on dévoilera, qu'on remettra au Congrès? Est-ce qu'on nous dévoilera tout ce qu'il y a là-dedans? Je ne pense pas, mais en tout cas, c'est un sujet qui va rester à la une de l'actualité pour longtemps, et on va en parler de plus en plus jusqu'à ce qu'on ait fouillé tout ça et qu'on en ait le cœur net.